Sister Kamunga Kapinga Deborah. Enlevez aussi vos masques. You remove your masks. Son fiancé. They are engaged. Dieu voulant. God willing. Ils seront unis le dimanche 10 octobre 2021. They will be united on Sunday 10th of October 2021. Et à ma droite. And to my right hand. C'est-à-dire à votre gauche, vous qui êtes là-bas. Which is to your left hand. C'est le frère Richard Nkolongoy. It's brother Richard Nkolongoy. Et la sœur Sarah Mbuya. With sister Sarah Mbuya. Enlevez vos masques, s'il vous plaît. Remove your masks, please. Ils sont là devant vous. They are there in front of you. Dieu voulant. God willing. Ils seront unis le samedi 9-10-2020. They'll be united on Saturday 9th of October 2021. Vous venez de remarquer, il y aura deux mariages qui se feront le samedi. As you've noticed, there will be two weddings that day, that Saturday. Nous prions d'être là à temps, au même moment, je crois que ce serait bien. We ask you to be there on time, at the same time. Donc, pour le samedi 9, so for Saturday 9th of October, demandons d'être là aux environs de midi. Be here around 12. Dès que vous terminez à l'état civil, when you are done with the civil marriage, faites tout pour être là à temps. Do your best to be here on time. So that we can dedicate or consecrate you both at the same time. Because around 14 there will be choir rehearsals. So we should do everything and to finish before 14. Donc, arrangez-vous pour être là. So do your best to be here on time. Même pour le dimanche, even for Sunday, depuis qu'il y a eu cette histoire de confinement et qu'on sort, as we had the thing of lockdown and COVID, nous consacrons les mariages le dimanche à partir de midi. We do dedicate weddings on Sunday around 12. C'est-à-dire porter le masque pendant longtemps, ce n'est pas bien. Because wearing a mask for so long is not good. Donc le matin, comme un dimanche, nous venons ici à l'église. So in the morning, as like on Sunday, we come here. Le culte normal prend fin vers 11h30. The normal service finishes around 11. Et nous recevons les mariés à partir de 12h. And we receive those who are getting married around 12. Et cela jusqu'à nouvel ordre. And that up to donc, further notice. Arrangez-vous pour être là à midi, que ce soit samedi ou dimanche. So do your best to be here around 12, either on Saturday or Sunday. Okay. Fine. Vous avez une objection. So if church you have an objection concerning these three projects of marriage, nous vous prions de venir nous voir avant l'heure. You may come see us on time. Okay. Vous pouvez regagner vos places. Fine. You may take back your seats. Maintenant, nous allons louer le Seigneur. Now we are going to praise the Lord. Avant d'écouter sa parole. Before listening to his word. May the Lord God bless you. The second song will be 164, Songs of God. The third one, 113, Songs of Salvation. And the fourth one will be 490 and 487, Collection of Songs.
Christ is a Savior. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has saved me. Nous remercions le Seigneur notre Dieu. We are thanking the Lord our God. Pour le souffle de vie ce matin. For the breath of life you have given us this morning. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu. I'm grateful to the Lord d'être parmi vous. To be in your midst. Et je remercie sincèrement le frère Kazadi, notre berger. And I'm sincerely thanking Brother Kazadi, our shepherd, pour m'avoir accordé la chair. To have given me the pulpit. Combien voudront quand je retournerai en Zambie? How many would like when I go back to Zambia? Et partout je passerai ici. And all every place, every place is our visit here. I may take there your greetings. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Il y a le frère qui m'a demandé de vous saluer. There are brothers who asked me to greet you. Nous avons le frère Musha Ngalusa d'Uvira. We have brother Musha Ngalusa from Uvira. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus Christ. He's greeting you all in the name of the Lord Jesus Christ. Nous avons notre frère Trésor de Likasi. We have our brother Trésor from Likasi. Notre frère Kizabi qui prêche maintenant en Zambie à Lusaka. Our brother Kizabi who is preaching in Zambia Lusaka. Nous avons un frère Kailu de Lumwana Zambia. We have brother Kailu Lumwana in Zambia. Notre frère Mukendi Jérémy de l'Amérique. Our brother Mukendi Jeremy from America. Notre frère Ngosa de Mufulira, Zambia. Our brother Ngosa from Mufulira, Zambia. Notre frère Élisée de Durba. Our brother Élisée from Durba. Et mon épouse aussi vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. As well as my wife is also greeting you in the name of Lord Jesus Christ. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole. I invite you to stand up. We read the word of God. Nous allons lire dans le livre de Romains. Let's read in the book of Romans. Romains chapitre 11. Romans 11. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. From verse 1 to verse 5. Je dis donc. I say then. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Has God cast away his people? Loin de là. Certainly not. Car moi For aussi je suis israélite. I also am an Israelite.
de la postérité d'Abraham, of the seed of Abraham, de la tribu de Benjamin, of the tribe of Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. God has not cast away his people whom he foreknew. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie? Oh, do you not know what the scripture says of Elijah? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? How he pleads with God against Israel. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Lord, they have killed your prophets. Ils ont renversé tes autels. And torn down your altars. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. And I alone am left and they seek my life. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? But what does the divine response say je to him? Je me suis réservé 7000 hommes. I have reserved for myself 7000 men. Qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Who have not bowed the knee to Baal. Et même aussi dans le temps présent. Even so then, at this present time, il y a un reste selon l'élection de la grâce. There is a remnant according to the election of grace. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. May the Lord add the blessings to the reading of his word. Prions. Let's pray. Seigneur, merci. Lord, thank you pour ta grâce, for your grace et ta miséricorde, and your mercy. Merci pour le souffle de vie. Thank you for the breath of life. Merci pour thank you for all your good actions. Merci pour ton peuple. Thank you for your people. Merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous. And thank you for everything you don't stop doing for us. Ce matin, this morning, nous sommes rassemblés autour de ta parole. We are gathered around your word. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler. Lord, we want you to speak to us. Seigneur, sauve le perdu. Lord, save the lost. Révèle-toi à tes saints. Reveal yourself to your saints. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Grant to everyone according to the desire of their heart. Guéris les malades. Heal the sick. Console les affligés. Comfort the afflicted. Bénis tes serviteurs. Bless your servants. Nous prions pour notre frère Kazadi. We pray for our brother Kazadi. Notre frère Ekaka Edouard. Our brother Ekaka Edouard. Et notre frère Jean Kapande. And our brother Jean Kapande. Et pour tous les diacres. And for all the deacons. Et les administrateurs. And the trustees. Et les trésoriers. And the treasurer. Et pour tous ceux qui travaillent dans ta and maison d'une manière ou d'une autre. Work in your house in one nous demandons de riches bénédictions sur eux. We ask on them rich blessings. Nous venons de lire ta parole. We have just read your word. Seigneur, révèle-nous le contexte. Lord, reveal the context to us. À la fin de cette réunion, at the end of this service, que nous puissions dire, that we may say, le Seigneur a été bon pour nous. The Lord has been good for us. Nous croyons, Seigneur, tu vas le faire. We believe, Lord, you do it. Parce que nous l'avons demandé avec foi. Because we have asked it with faith. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Notre sujet. Our subject, c'est un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Is a remnant according to the election of the grace of God. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le mercredi, for those who were not with us here on Wednesday, et jeudi, and Thursday, nous avions commencé à voir, we started, nous venons de les lire, we spoke about as we've just read. Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Paul says, God has not rejected his people. Il se met là comme un élu, il dit. He also put himself as an elect, he said. Moi, je suis israélite. I am also an Israelite. De la postérité d'Abraham. Of the seed of Abraham. De la tribu de Benjamin. Of the tribe of Dieu Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. God has not rejected his people that it foreknew. Alors, il prend ce qui s'était passé au temps d'Élie. Now he's taking an example of what happened in the time of Elijah. Et au temps d'Élie, and in the time of Elijah, si vous lisez 1 roi chapitre 18, if you read 1 Kings chapter 18, à partir de verset 20 et verset 21, from verse 20 to 21, Israël avait rejeté le vrai Dieu. Israel rejected the true God. Israël s'était tourné vers Baal. Israel went to Baal. Élie était resté seul, le vrai serviteur de Elijah Dieu. Elijah remained alone, the true servant of God. À ce temps-là, ils avaient 450 prophètes. In that time, they had 450 prophets. Élie avait dit au peuple. And Elijah told the people. Pourquoi clochez-vous entre des opinions? Why are you hanging between two opinions? Si l'Éternel est Dieu, if the Lord is God, si
suivez-le. Go to him. Si c'est Baal, if it's Baal, alors suivez Baal. Then follow him. Aujourd'hui, today, nous ne parlons pas d'Élie. We are not talking about Elijah. Mais nous prenons aussi comme exemple. But we are also just taking that as an nous example. Ne devons pas clocher entre des opinions. We should not be hanging between opinions. Nous ne devons pas avoir un pied dans la parole de Dieu. We should not have one leg in the word of God. Un pied dans le monde. Another foot. I mean, one foot in si the world, another foot bon in the world. Vous. If the world is good for you, alors continue avec le monde. Then continue with the world. Mais si Jésus Christ, but if Jesus Christ représente tout pour vous, stands for you to is everything to you. Si il représente pour vous le salut, if Jesus Christ is your salvation, s'il représente pour vous votre espoir, if Jesus Christ is your hope, notre espoir, our hope dans ce monde, in this world, c'est le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Is the return of our Lord Jesus Christ. Dans ce monde, nous sommes des pèlerins. In this world, we are pilgrims. Nous n'avons pas de bon dans ce monde. We don't have anything good in this world. Nous attendons notre Seigneur. We are waiting for our Lord. Il va bientôt revenir. Who will soon come back. Et il est allé nous préparer une place. He wants to prepare a place for et us. Et nous croyons de tout cœur. And we believe from the bottom of quand our heart. Quand il viendra, when he comes, il viendra nous prendre. He will come to take us. À ce temps-là, in that time, Élie pensait qu'il était le seul. Elijah thought he was the only one. D'abord, nous voulons dire quelque chose. First of all, I want to say something. Élie leur avait dit, Elijah told them, faites des autels. Prepare two altars. Mettez dessus un taureau. And put cows on top. Un autel sera pour moi, un autel sera pour vous. One altar will be mine and the other one will be yours. Comme vous êtes nombreux, as you are many, commencez à invoquer le nom de votre Dieu. You can start first by calling the name of your God. Ils ont commencé à prier. They started praying. Élie leur avait dit, Elijah told them, le Dieu qui répondra par le feu, the God that shall answer by fire, qu'il soit reconnu en Israël comme étant le vrai Dieu. Let that God be the true God in Israel. Ces gens-là ont commencé à prier depuis le matin. Those people started praying from morning jusqu'à midi. Up to 12. Il n'y avait ni réponse. No answer. Ou quoi que ce soit. Or anything. Il leur moqua, il dit, peut-être votre Dieu est occupé. Elijah was mocking them that maybe your God is busy. Vous devez crier à haute voix. You need to pray out. Peut-être votre Dieu s'endort. Maybe your God is sleeping. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le réveiller. So someone should wake him up. Ils ont fait beaucoup de bruit. They prayed aloud. Ils se sont fait des incisions. They even started cutting themselves. Il n'y avait ni réponse ou quoi que ce soit. But there was no reply or anything. Maintenant, vers le soir, now in the evening time, Élie rassembla le peuple autour de lui. Elijah gathered the people around him. Ce qui s'était passé au temps d'Élie, what happened in the time of Elijah, c'est ce que notre Dieu a fait dans notre temps. Is the same thing God has done in our time. Nous vivons dans un temps, we are living in a time, où les gens ont abandonné la foi qui fut transmise une fois pour toutes aux saints. In which people have forsaken the faith that was given to the saints once for all. Ils ne croient pas dans un seul vrai Dieu. They don't believe in one only true God. Ils croient dans la sainte Trinité. They believe in the Holy Trinity. Pour nous frères, for us brothers, pour nous sœurs, for us sisters, y a qu'un seul vrai Dieu. There is only one true God. Dans ce seul vrai Dieu, in this one true God, il n'y a pas trois dieux. There are not three gods. Il n'y a pas trois personnalités. There is not three personalities. Dieu est un. God is one. Est-ce que pouvons-nous tous dire Dieu est un? Can we all say God is one? God is one. Disons tous ensemble, listen, Dieu together, est un. God is one. Vous que le premier mensonge, do you know that the first lie qu'on nous avait donné dans les églises, we were told in churches, c'est de croire qu'il y a trois personnalités dans un seul Dieu. Was to believe there are three people in God. Tout homme religieux, every religious person, il croit ainsi. They believe so. Ils ont même enseigné une chanson. They even taught a song. Je ne vais pas chanter ça. I won't sing it. Vous connaissez cette chanson-là. You know that song. Connaissez, n'est-ce pas? You know it, right?
Il y a trois personnes en Dieu. There are three people in God. Non, il n'y a pas trois personnes en Dieu. There are no three people in God. Dieu est un. God is one. Amen. Amen. Comme Dieu avait envoyé Élie à ce temps-là, as God sent Elijah in that time, dans notre temps, in our age, selon sa parole de promesse, according to his word of Malachi promise, chapitre 4, Malachi 4, versets 5 et 6, verse 5 and 6, Dieu a envoyé un prophète, God sent a prophet, et son nom c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Il est venu nous enseigner, he came to teach us, que qu'il y a un seul Dieu, that there is only one et que God, ce Dieu-là, and that God, s'était révélé dans l'Ancien Testament, revealed himself in the Old comme Yahweh, as Yahweh. Mais dans le Nouveau Testament, now, in the New Testament, il s'est révélé comme notre Seigneur Jésus-Christ. He revealed himself like our Lord Jesus Christ. Le baptême d'eau, the baptism of ce water, n'est pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, mais Spirit, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu quelqu'un, they have never been anyone, qui fut baptisé dans la Bible, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. In the Bible, in those three titles, Father, Son, and Holy God. Jésus avait dit, faites de toutes les nations mes disciples, make all the nations en les baptisant au nom du Père, by baptizing in the name of the Father, au nom du Père et du Fils, the name of the et du Saint-Esprit, and of the Holy Spirit. Mais la Père, Fils et Saint-Esprit, now, Father, Son, Holy Spirit, sont des titres d'un seul Dieu, are titles of one mais le nom du Père, the name of the Father, et du Fils, and of the Son, et du Saint-Esprit, and of the Holy Ghost, fut révélé le jour de la Pentecôte, was revealed the day quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, when they received the Holy Ghost, parce que Jésus leur avait dit, because Jesus taught them, je vous ai dit beaucoup de choses, I have taught you many things, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, but you cannot bear them now. Mais quand vous recevrez le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses, he shall teach you everything. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, Pierre, par la révélation de Dieu, il a dit à ceux qui avaient cru, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là jusqu'à ce matin, ce baptême reste valable pour l'église du Nouveau Testament. Alors, Dieu avait envoyé un prophète. God sent a prophet. Avec l'esprit d'Élie. With the spirit of Elijah. Élie en dans son temps. Elijah in his time. Quand ces gens-là ont échoué. Those people failed. Lui est venu d'abord rétablir l'autel. To restore the altar. L'autel était bâti de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. The altar was made of 12 stones which were representing the 12 tribes of Israel. Élie savait que les enfants d'Israël avaient renversé l'autel de Dieu. Elijah knew the children of Israel have thrown down the altar. Il rebâtit d'abord l'autel. So first of all, he rebuilt it. Il met le bois and en ordre. Puts the woods in et il pria order, seulement une petite prière. And just made a short prayer. Dieu, le Dieu du ciel, God, the God of le heaven, Dieu d'Abraham, the God of Abraham, le Dieu d'Isaac, God of Isaac, le Dieu d'Israël, and the God of Israel, avait répondu à la prière de son serviteur. He replied to the prayer of his servant. Le feu était descendu du ciel. And the fire came down from heaven. Avait consumé le sacrifice. And burnt the sacrifice. Et tout ce qui était là. And everything that was there. Ça c'était grand. That was great. Elijah, il a attrapé tous les faux prophètes. He caught all the false prophets. Aucun ne échappe. Nobody should run away. On les tua. And they were beheaded. Amen. Amen. Dans notre temps, in our time, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu. God has sent a servant un of God. Un prophète promis. A promised prophet. Pas les prophètes qui s'élèvent aujourd'hui. Not the prophets who are rising today. Un prophète promis. But a promised prophet. Il est venu, he came, pour nous ramener, to take us back, à la foi de nos pères apostoliques, to the apostolic faith. Il est venu, he came, nous retourner à la doctrine des apôtres, to take us back to the doctrine of apostles. L'église du Nouveau Testament, the church of the New Testament,
He bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Is built upon the foundation of the apostles Jésus-Christ and prophets. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jesus himself being the cornerstone. Nous devons être bâtis. L'apôtre Paul dit. We need to be built. The apostle Paul says. Il n'y a pas d'autre fondation qu'on doit mettre. There is no other foundation we should lay. La fondation qui a été mise. Only the one which has been laid. À savoir Jésus-Christ. Which is Jesus Christ. Amen. Amen. Il est venu remettre toutes choses. He came to restore everything. Amen. Amen. Nous avons été ramenés à la foi qu'avaient nos pères apostoliques. We were taken back to the faith of our fathers apostles. Et après le défi d'Élie, and after the challenge of Elijah, Jezebel voulait tuer Élie. Jezebel wanted to kill Elijah. Élie s'est mis en fuite. Elijah ran away. Et Dieu le trouva quelque part. And God found him somewhere. Et lui dit, and told him, Élie, que fais-tu ici? Elijah, what are you doing here? Il dit que j'étais zélé. I was zealous, Lord. Pour l'Éternel des armées. For the Lord of hosts. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tous tes prophètes. Maintenant ils veulent de ma vie. Now they want to kill me as well. Dieu lui dit. God told him. Je me suis réservé. I have reserved myself. 7000 hommes. 7000 men. Qui n'ont point fléchi les joues devant Baal. Who have not bowed down. Cela fut une surprise pour Élie. That was a surprising news. Parce que pour lui, comme nous l'avons lu, as we read it, si vous lisez 1 roi 19, if you read in 1 King 19, verset 10, verse 10, et verset 18, and verse 18, Élie pour lui, il était le seul. For Elijah, he remained alone. Mais Dieu avait réservé 7000 men. Élie était un élu de Dieu. Elijah was an elect of God. Les 7000 furent aussi les élus de Dieu. The 7000 were also elect of God. Alors l'apôtre Paul. No, the apostle Paul. Nous voulons vous dire une chose ce matin. We want to tell you one thing this morning. Nous ne prêchons pas des histoires. We don't preach stories. Nous prêchons la parole de Dieu. We preach the word of God. Nous prêchons de manière. We preach in the way that. Que chacun puisse connaître ce que Dieu fait. Maintenant. Everyone may know what God is doing now. Dieu, ce n'est pas le Dieu. God is not a God of yesterday. Ce n'est pas le Dieu du futur. Neither the God of the future. C'est le Dieu du présent. He is the God of the present. Aujourd'hui. Today. Pas demain. Not tomorrow. Pas le lendemain. Not mais aujourd'hui. The other day, but today. Si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas. If you hear his word, do not harden your heart. L'apôtre Paul. The apostle Paul. Il met à jour la parole de Dieu dans le royaume de Dieu en son temps. He is updating the word of God in the kingdom of God in his time. Il dit que même au temps présent. He said even in the present time. Il y a un reste selon l'élection de Dieu, l'élection de la grâce de Dieu. There is a remnant according to the election of the grace of God. Paul croyait de tout cœur. Paul believed with all his heart that he was an elect of God. Il n'était pas le seul. He was not alone. Dieu en avait encore. God also had some more temps. In his time. Ce matin, this morning, votre frère Kaniki, your brother Kaniki, il vous dit ça. Sans hésitation. He's telling you without hesitation that I am an elect of God. Je crois de tout cœur. I believe with all my heart. Vous aussi, you also vous êtes les élus de Dieu. Are the elect of God. Parce que si nous étions pas des élus because de if Dieu, we were not elect of God, pas croire ce message. We wouldn't have believed this message. Il faut pas oublier cela. Don't forget it. Il y a beaucoup d'appelés, there are many who are called, mais il y a peu de élus. But few are elect. Et les élus de Dieu, and the elect of God, dans tous les âges, all the ages, ils croient ce que Dieu fait dans leur temps. They believe in what God is doing in their time. Nous croyons ce que Dieu fait aujourd'hui. We believe what God is doing et today. Nous devons être participants de ce que Dieu est en train de faire maintenant. We need to be partakers of what God is doing now. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit. And the apostle Paul says. Dieu n'a pas rejeté son peuple. God has not rejected his people that he foreknew. Dieu ne nous a pas connus le premier jour que nous sommes venus à l'église. God did not know us the first day we came to church. Dieu nous a connus. God knew us. Dès avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Vous devez croire cela. You need to believe so. Selon Ephésiens 1, 4 et 5. Et Dieu nous a prédestinés. And God has predestined us.
Nous n'étions pas encore nés. We were not yet born. Dieu nous a vu arriver à la fin. God saw us. Dieu nous a vu entrer dans la gloire. He saw us entering the glory. Nous devons rester rassurés. We need to remain assured. Que celui qui nous a appelés, that the one who called us, il ne va pas nous perdre. He's not going to lose us. Jésus pouvait dire quand il priait en Jean 17. Jesus could say when he was praying in John 17. Père, tout ce que tu m'as donné. Father, all that you've given perdu, me. Je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donné. I have not lost none of the ones you gave. Seulement le fils de la perdition. Except the son of the perdition. C'était Judas. That was Judas. Mais Pierre. But Peter. Et les autres. And the others. Ils étaient les élus de Dieu. They were the elect of God. Amen. Amen. Nous aussi. Also we. Nous avons la foi. We have the faith. Que Dieu. That God. Va nous faire parvenir. Will make us rich. Dieu va nous amener à la destination. God will make us reach the destination. Nous n'avons pas peur de dire non, peut-être je vais aussi tomber. Non, frère. We are not afraid of saying maybe I will fall. Non. No, brother, no. C'est Dieu qui nous a appelés. It's God who has called us. Si ce n'était pas Dieu qui nous a appelés. If it wasn't God, un jour nous quitterons, nous abandonnerons cette foi. One day we will leave this faith. Mais si c'est Dieu qui nous a appelés. But if it's God who called us, je le crois de tout cœur. I believe with all my heart. Il va nous amener à la destination. He will take us up to the destination. Amen. Amen. Nous croyons dans l'élection de Dieu. We believe in God's election. Nous croyons dans la prédestination de We Dieu. Believe in God's predestination. Les Pentecôtistes. The Pentecôtistes. Ne croient pas dans l'élection de Dieu. They don't believe in God's election. Les Pentecôtistes. Those Pentecôtistes. Ne croient pas dans la préscience de they Dieu. They don't believe in God for knowledge. Mais nous. But we. Selon les Écritures, according to the scriptures, nous croyons we believe dans l'élection de Dieu. In God's election. Nous croyons we believe dans la prédestination. In God's predestination. Ce sont des choses solides. These are solid de la parole de Dieu. Things of the word of God. Ah, yes. On ne peut pas faire autrement. We cannot do otherwise. Nous enseignons comme les apôtres ont enseigné. We are teaching the way the apostles taught. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 2, now, if you read 1 Peter chapter 1 verse 2, Pierre parlant en son temps, Paul speaking in his time, de ceux qui étaient dispersés, of all those who were scattered, il dit élu, he said, selon la préscience de Dieu, elected according to the foreknowledge of God. C'est notre Dieu. This is our God. Vous et moi, you and I, nous connaissons, nous avons l'idée de ce qui s'est passé hier. We know what happened yesterday. Et ce qui se passe aujourd'hui. And what is happening today? Mais ce qui va arriver demain? But what will happen nous tomorrow? Nous ignorons ça. Nobody knows. Le Dieu que nous adorons. But the God we are worshiping. C'est le Dieu d'éternité. Is the God of eternity. Amen. Amen. Avant que le monde ne fût. Before the world was created. Dieu était là. God was there. Mais il n'était pas encore Dieu. But he was not God yet. Il était l'Esprit éternel. He was the everlasting spirit. L'Esprit éternel qui était dans l'éternité. The everlasting spirit which was in eternity. Habitant dans la lumière. Dwelling in a light. Dans cet état-là. In that state. Personne n'a jamais vu Dieu. Nobody has ever seen God. Mais en lui. But in him. Il y avait beaucoup d'attributs. There were many attributes. Il voulait être He wanted to be God. Dieu, c'est l'objet d'adoration. God is an object of worship. Wherefore you should pay attention. C'est que tu aimes plus que Dieu, what you love more than God, cela devient une idole pour that Dieu. Has become your idol. Nous ne devons pas placer entre Dieu et, entre nous et Dieu quelque chose d'autre. We should not put anything between us and God. Nous devons aimer Dieu. We need to love God de tout cœur, with all our heart, de toute notre pensée, with all our thought, de tout ce qui est en nous, and with everything Dieu that is in us. Dieu veut la première place. God wants the first position. Et cela dans notre cœur. And that in our heart. Dans notre cœur. In our heart. Que nous l'aimions. He wants us to love him. Que nous l'aimions de tout cœur. He wants us to love him with all our heart. Pensée. With all our thoughts and everything that is in us. But if there is something you like more than God, that thing has become your idol. God created men so that they can worship him. Now many have chosen their God.
Who is your God, my sister? Qui est ton Dieu, mon frère? Who is your God, my brother? Nous devons avoir un Dieu que nous t'adorons. We need to have a God we are worshiping. Notre Dieu, our God, avant qu'il soit Dieu, before he was God, dans l'éternité, in eternity, un esprit éternel, he was an everlasting spirit. En lui avait des attributes, in him was attributes, qu'il voulait manifester, that he wanted to manifest. Il voulait être Dieu. He wanted to be God. Il voulait être créateur. He wanted to be a creator. Il voulait être sauveur. He wanted to be a savior. Il voulait être fils de Dieu. He wanted to be a son of God. Il voulait être père. He wanted to be a father. Et il voulait être roi. And he wanted to be a king. Et beaucoup d'autres choses. And many other things. Toutes ces choses étaient en lui. All these things were in him. Alors, Dieu devait quitter l'éternité, so God should leave eternity pour venir dans la notion de temps, to come in the notion of time. Et nous lisons dans la Bible, and we read in the Genesis Bible, chapitre 1, verset 1, Genesis 1, verse 1. Au commencement était la parole. In the beginning was the la word. Parole était avec Dieu. I mean, it's John 1, verse 1. La parole the était word Dieu. Was with God, and the word was God. Dieu avait pris la forme visible, God took a visible form d'apparition. Of appearing. Cette forme visible, and that visible form, c'est un corps spirituel, is a spiritual body. Tout au long de l'Ancien Testament, all along the Old Testament, he was revealing himself to the Dieu prophets. Se révéla à son peuple, God was revealing himself dans to his corps people spirituel. In a spiritual body. Amen. Amen. Dieu n'était pas surpris de la chute qu'il y a eu dans le jardin d'Eden. God was not surprised of the falling down which happened in the garden Dieu of Eden. Dieu savait qu'ils vont tomber. God knew they would fall. Et Dieu avait vu en avance. And God foresaw tous ceux qui naîtront dans ce monde. All those who would be born in this world. Depuis le début. From the beginning. Dieu avait donné à l'humanité le libre arbitre. God gave to the mankind the free will choice. Chacun doit faire un choix. Everyone should choose ce freely. Matin, this morning, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, if you have not yet given your life to the Lord, fais un bon choix. Do a good choice. A choice of eternity. Dieu va te sauver. God will save you. Pour le temps, for the time et pour l'éternité. And eternity. Ce n'est pas seulement venir à l'église. It's not only becoming chacun to church. Doit être sûr. Everyone should be sure. Il a rencontré Jésus Christ. They have met the Lord Jesus Christ. Il a accepté comme son sauveur. They personnel. Have accepted him as their personal savior. Il s'est repenti de ses péchés. That they have repented from their sins. And they have let themselves baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Dieu. God. Dans l'éternité. In eternity. Il avait vu en avance. He foresaw. Qui va croire? Who would believe? Et qui ne croit pas? And who would not believe? Il y a les gens. There are people who say. Il y a de l'injustice. There are people who say God non. Is unrighteous. Non. No, no. Il n'y a pas d'injustice. There is no unrighteousness in God. Selon Isaïe 46. According to Isaiah 46. Verset 9 et verset 10. Verse 9 and 10. Dieu voit la fin avant le God can see the end before the beginning. C'est notre Dieu. This is our God. Il avait vu en avant, il avait vu en avance. He foresaw. Qui va croire et qui ne va pas croire. Who would believe and who wouldn't believe. Et ceux qu'il avait vu d'avance. And the one he foresaw. Qui vont croire. Who would believe. Il les avait élus. He elected them. Et puis il les a prédestinés. And he predestinated them. À être conformes à l'image de son fils. To be conformed to the image of his son. Amen. Amen. Nous venons dans ce monde. We come in this world. Dieu a déjà vu ce qui va se passer dans ce monde. But God already saw what will happen in this world. Quand la parole est prêchée, when the word is preached, l'élu de Dieu reconnaît la voix de Dieu. The elect of God can hear the voice of God and accept it. Mais l'incrédule, but the unbeliever, il écoute, he hears, cela n'a pas de signification pour lui. And that is meaningless to him. Et il s'en va à la perdition. And he goes in perdition. Mais ceux que Dieu avait vu en avance, but the people God foresaw, ils croient. They do believe. Sans problème. Without any problem. C'est pourquoi ce matin, wherefore this morning, nous sommes les bienheureux. We are the blessed ones. D'avoir cru la parole de Dieu. Because we have believed in the parce word of Dieu God. Nous avait vu. Because God l'éternité. Foresaw us in eternity. Amen. Amen. Nous avons fait voir une chose. I showed you something. Il y avait Rebecca. That there was Rebecca. Rebecca était mariée à Isaac.
Rebecca was married to Isaac. Et Rebecca ne pouvait pas mettre au monde. And she was barren. Elle, son mari Isaac était prophète. Her husband Isaac was a prophet. Elle priait pour elle. Prayed for et her. And God heard the prayer. Et Rebecca devenue enceinte. And Rebecca conceived. Elle avait conçu des jumeaux. And she had twins. La Bible nous dit ceci. The Bible says this. Disons tout simplement. Let's read it. Romans 9. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Listen, beloved brothers and sisters. À partir du verset 10 au verset 11. Verse 11 to 12. Nous lirons jusqu'à 13. We'll read up to 13. Et de plus. And not only this. Il en fut ainsi de Rebecca. But when Rebecca also. Qui conçut seulement d'Isaac notre père. Had conceived by one man. Écoutez maintenant. Even by our father quand Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés. Listen now. For the children not yet being born. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Nor having done any good or evil. Afin que le dessein d'élection de Dieu. That the purpose of God according to election. Subsiste. Might stand. Amen. Amen. Sans dépendre des œuvres. Not of works. Not of et works. Par la seule volonté de celui qui appelle. But of him who calls. Quand il lui fit dire à Rebecca. It was said to her. L'aîné sera sujetti au plus jeune. The elder shall serve the younger. Selon qu'il est écrit. As it is written. J'aime Jacob. Jacob I have loved. Et j'ai haï Esaü. But Esau I have hated. Malachi chapitre 1 verset 2. Malachi Jacob verse 2. Était un élu. Jacob was an elect. Mais Esaü n'était pas un élu. But Esau was not. Dieu les avait vus avant qu'ils étaient même dans le ventre de leur mère. God saw them even before they were in the ici l'apôtre Paul il dit clairement. He heard the apostle Paul saying clearly. Avant que les enfants. Before. Ne soient pas encore nés. These children. May be born. No, having done any good or evil. Est applicable aussi à nous. This also applies to us. Il y a de bons gens dans ce monde. They are good people in this world. Quand vous les voyez, when you meet them, vous allez dire, you say, they are believers. Des gens honnêtes. Honest people. Des gens qui vivent bien dans la société. People who are having a good life in society. Mais ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. But they don't have anything to do with the word of God. Ils iront en enfer. They will go in hell. Mais toi et moi, but you and I, nous voudrions dans le péché. We were in sin. On est pindoula mousame. We were trampling in sin. Si on permettait que chacun passe pour raconter sa vie, if they can allow everyone here to tell their life, beaucoup vont fuir. Many will run away. Ah, what? Non, frère, ne dites pas. No, brother, don't say that. Mais c'est ce que nous étions. But this is what we were. Mais Dieu avait vu en nous. But God saw in us. Que nous allons accepter sa parole. That we would believe his word. Amen. Amen. C'est pourquoi l'élection. Wherefore the election. Ou la prédestination. Or the predestination. Ça ne dépend pas de toi ou de moi. Does not depend on you or me. Mais ça dépend de Dieu. But it depends on God. Dieu seul qui appelle. Only God who calls. Nous ne pouvons pas entrer en détail. We cannot get into details. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, may God grant us grace. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Listen, beloved brothers and sisters. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. We are in the book of Romans 8. Nous lisons à propos des élus. Let's read about elect. Nous sommes comment on peut engager les élus. Let's speak about elect. Verset 31. Verse 31. Que donc à l'égard de ces choses? What shall we say then? Dieu pour nous, if God be for sera us, contre nous. Who shall lui be against qui n'a point épargné son propre fils. He who did not spare his own son. Mais qu'il a livré pour nous tous. But delivered him up for us. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? How shall he not with him also freely give us all things? Qui accusera les élus de Dieu? Who shall bring a charge against God's elect? Personne. No one. Mais on nous dit dans la Bible. But it's said in the Bible to dans us. Dans le livre d'Apocalypse 12. In the book of Revelation 12. Verset 10 et verset 11. Verse 10 and 11. Il y a un accusateur de frères. That there is an accuser of brothers.
Et celui-ci, c'est le diable. And this is the devil. Nous, frères bien-aimés, we brothers beloved. Nous ne devons pas être des accusateurs de we frères. Should not be accusers of brothers. Depuis l'Ancien Testament, from the Old Testament, c'est le diable qui accusait Job devant it's Dieu. The devil who was accusing Job before est-ce God. Que Job te craint pour rien? Is Job fearing you for nothing? Est-ce que tu lui as pas protégé? Haven't you protected him? Enlève seulement ta protection. Just remove your protection. Just remove your protection. You shall see how he will curse you. No. No. Satan monté devant Dieu. Satan was ascending before God. God was chasing him away. But he was going back. Jusque ce matin. Up to this morning. Il accuse les élus. He accuses the elect. Mais Dieu les renvoie. But God rejects them. You and I should not be accusers of elect. Ah, dit amen. Yes, say amen. Verset 34. Verse 34. C'est Dieu qui justifie. It is Christ who devant Dieu, it's God who justifies. Dieu ne nous voit pas comme pécheurs. Before God, he doesn't Dieu see us as sinners. Pardonné. God sees us forgiven. Non seulement pardonné, not only forgiven, mais justifié, but also justified. Parce que nous avions cru en Jésus-Christ. Because we believed in Jesus et Christ. Jésus-Christ en mourant, and Jesus Christ when dying, versant son sang, he shed his blood pour la rémission de nos péchés, for the remission of our sins. Nos péchés ont été pardonnés. Our sins were forgiven. Vous devez croire ça de tout votre you cœur. Need to believe it with all your heart. Amen. 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 Verset 33, nous lisons. Verse 33, we are reading. Qui accusera les élus de Dieu? Who shall bring a charge against God's elect? C'est Dieu qui justifie. It is God who justifies. Qui les condamnera? Who Christ condemn? Est mort. Bien plus. Christ who died. Qui est ressuscité. And furthermore, he is also et risen. Et il est à la droite de Dieu. Who is even at the right hand et of God. Et il intercède pour who nous. Who also makes intercession for us. Il n'a pas terminé sur la croix. He has not just finished on the cross. Sur la croix. On the cross. Il mourut pour nous. He died for us. Il versa son sang. He shed his blood. Mais le troisième jour, il ressuscita de mort. But the third day, he rose up from the dead. Il monta dans les lieux célestes. And he ascended in the heavenly places. À la droite de la majesté divine. To the right hand of divine majesty. Là, il est en train d'intercéder pour nous. And there, he is making intercessions for us. Écoutez, mes bien-aimés frères. Listen, my beloved brothers and sisters. Savez-vous que Judas? Do you know that Judas? Et Pierre and Peter avait péché. They all committed sin. Judas avait livré Jésus. Judas delivered, betrayed Jésus. Jesus. And Peter mais denied Jesus. Lénia, but before he denied him, Jésus lui dira, Jesus told him, Pierre, Peter, Satan vous a réclamé. Was claiming you, he wanted you. Comme on clible le blé. To dull you mais the way we do the weeds, but I prayed for you. Pour que ta foi ne faille pas. So that your faith may not fail. Si notre foi ne faille pas, if our faith is not failing, frère, notre Seigneur prie pour nous. Our Lord is praying for us. Beaucoup ont abandonné la foi. Many are forsaken the faith. Mais nous. But nous we sommes debout par la foi. Are standing by faith. Nous avançons par la grâce de we Dieu. We are going forward by the grace of croyant God. Croyant toujours la parole de Dieu. Always believing the word of God. Et une grande grâce est sur notre vie. And a great grace is over us. Amen. Amen. Et Jésus dira à Pierre. And Jesus told Peter. Lorsque tu seras converti. When you shall be converted. Affermis tes frères. Strengthen your brethren. C'était avant. Jésus lui dit, Jesus told him, avant que le coq chante, before the rooster crows three times, before the rooster crows, you would deny me three times. Même si tout le monde va t'abandonner. Peter said, even if everyone moi, shall forsake you, I won't do that. Jésus l'avait déjà vu. But Jesus already saw it. Vous savez l'histoire. You know the story. On lui demanda. Est-ce que asked je suis him, aussi l'un d'eux? Are you also one of them? Il dit, je le connais pas. He said, I don't know him. Quelqu'un d'autre vient. Another person came. Il dit, es-tu l'un d'eux? He said, are you one of them? Ton langage. By the way of talking. Voir que tu es avec lui. Your way of talking is proving that il you're one of them. Il commence à jurer. He started swearing. Un autre vient. Another came. Il dit, mais quoi? He said, but you. Je t'ai vu dans le champ. I saw you in the il field. Il dit, non. He said, no. Il commence à jurer. He started swearing.
And the rooster cried. When as Peter was an elect and as the Lord prayed for him, when he heard the rooster, he went to cry bitterly. Oh, my brother and my sister. Jesus told Peter, when the 70 went back, Jesus told Peter and others, vous ne voulez pas suivre aussi vos amis? Why aren't you following your friends? Peter said, c'est vous, you qui avez les paroles de la vie, have the words of life. C'est vous le Christ, le Fils de Dieu vivant. You are the Christ, the et Son of the living God. Croyons cela. Where should we go? And we believe. Et Jésus les regarda. And Jesus looked at them. Et ce n'est pas moi qui vous ai choisi. And he said, it's not I who chose you. Mais l'un de vous est un démon. One of you is a demon. Pierre. Peter. Malgré tout ce qu'il faisait. No matter all the things he was doing, élu. He was an elect. Amen. 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 Vous allez lire ça, Luc chapitre 22. You can read it in Luke 22. À partir du verset 31, 32, 33. From verse 32, 31. Revenons ici. Let's come back here. Il est au ciel en train d'intercéder pour nous. He is in heaven, he's making intercession for us. Ce n'est pas un hasard que nous continuons jusqu'à ces jours. It's not by random that we are continuing up to today. Il y a les gens qui pensent que non. Toi, tu crois parce que tu es jeune. There are people who think, are you are believing because tu you are young? Attendre quand tu seras grand. Wait, when you grow up, c'est alors que tu peux croire. That's when you can believe. Non, nous no. croyons quand la parole de Dieu vient, que nous soyons jeunes, que nous soyons grands. We do believe when the word of God comes, c'est Dieu either qui nous garde. Young or old, it's God who's keeping us. Faut pas écouter ces gens-là du monde qui disent, tu vas abandonner. Don't pay attention to those non, people toi, who are saying you will forsake. No, you won't forsake. Ils attendront. They will wait. Ils seront fatigués. They will be tired of waiting. Toi, Dieu t'a prédestiné. You, God has predestined you pour entrer au ciel. To enter heaven. Pour voir la gloire. To see the glory. Amen. Amen. Et 35, nous lisons. 35, we are reading. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Sera-ce la tribulation? Shall tribulation? Ou l'angoisse, or distress, ou la persécution, or persecution, ou la faim, or famine, ou la nudité, or nakedness, ou le péril, or peril, ou l'épée, or sword. Selon qu'il est écrit, as it is written, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. For your sake, we are killed all day long. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. We are accounted as sheep for the slaughter. Mais dans toutes ces choses, yet in all these nous things, sommes plus que vainqueurs. We are more than conquerors. Par celui qui nous a aimés. Through him who loved us. Car, for, j'ai l'assurance, I am persuaded, que ni la mort, that neither death, ni la vie, nor life, ni les anges, nor angels, ni les dominations, nor principalities, ni les choses présentes, nor powers, nor things present, les choses d'aujourd'hui, the things of today, les choses d'aujourd'hui n'étaient pas au temps de Paul. These the things of today were not in the time of Paul. The people who say, if I was in the time of Paul, I would be a strong believer. But with what is happening today, no, you are not strong. You don't become a solid believer. No. Même aujourd'hui, even today, c'est-à-dire au temps de Paul, this means even in the time of Paul, Paul se référait aux choses à venir. Paul was talking about the things to come. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. He said nothing can separate us from the love of God. Ni la puissance, minor powers, ni la hauteur, no height, ni la profondeur, no depth, ni aucune créature, no any other created thing, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, shall be able to separate us from the love Jesus of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. 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 Rien ne va nous séparer. Nothing can separate us. Acceptez ces choses. Believe the things. Amen. Amen. Et voyez si vous êtes un élu de Dieu. And see whether you are an elect of God or not. Parce qu'il y a des gens quand ils souffrent un peu. Because there are people when they suffer a bit. Quand il a des problèmes. When they have problems. Ils abandonnent la foi. They forsake the faith. Mais pas les élus. But not the elect. Que Dieu nous fasse grâce. May God grant us grace. Le problème arrive à un croyant. The problem can come to a believer. C'est pourquoi
lisons en Romains 8:8. Therefore, we read it in Romans 8:8. Everything works together for good to those who love God. Appelés, those who are the called. Selon son dessein. According to his purpose. Non parce que ce sont, si ce sont joints à l'église. Not those who have just joined the church. Mais ceux qui sont, ceux qui sont appelés. But those who have been called. Selon son dessein. According to his purpose. Amen. Amen. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Listen, beloved brothers and sisters. Dieu God avait un plan salut. Had a plan of salvation. Et ce plan du salut, and that plan of salvation, il avait conçu ça en lui-même. He made it in himself avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Dieu savait que le monde va tomber dans le péché. God knew that the world would fall in sin. Alors il avait fait un plan. So he made a plan. Et ce plan-là, and that plan était que lui, Dieu, was that him, God, viendrait dans un corps de chair, would come in the body of flesh pour sauver l'humanité de chair, to save the fallen mankind. Amen. Amen. Quand il quitta l'éternité, when he left the eternity, il est venu dans la notion de temps, he came in the time. Nous devons croire ces paroles. We need to believe these words. La parole. In the beginning was la the word. Était avec Dieu. The word was with et la God. Parole était and Dieu. The word was God. Tout ce que nous voyons, whatever we believe, ce que nous ne voyons pas, even whatever we see, créé par la parole and de what Dieu. We cannot see was created, were created et by si the word allez of maintenant God. En Jean, chapitre now, 1, when you go in John 1, verse 1, verse 1, au commencement était la parole. In the beginning was the word. Ou plutôt, excusez-moi. Oh, rather, Genèse, sorry. Chapitre 1, Genesis 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created heaven and earth. Amen. Amen. Et en Jean 1:1. And in John 1:1. Au commencement, était la parole. In the beginning was the et word. La parole était avec Dieu. And the word was with God. La parole était Dieu. And the word was God. Il n'y avait pas deux dieux au commencement. There were not two gods in the beginning. Il n'y avait pas trois dieux au commencement. There were not three gods in the beginning. There was only one God. Qui était la parole? Who was the word? Il créa les choses visibles, les he choses created les choses visible invisibles. And invisible things. Amen. Amen. Mais si vous continuez dans le chapitre 1 de Jean, but if you carry on with chapter 1 of John, il a créé le monde. God created the world. Il est venu dans le monde. He came in the world. Le monde fut créé par lui. The world was created by him. Mais le monde l'a pas reconnu. But the world did not recognize him. Amen. Amen. Dieu avait un plan. God had a plan. Il avait conçu en lui-même dans l'éternité. He made a plan himself in eternity. Quand le temps commença, now when the time began, Dieu commença à envoyer des prophètes. God started sending prophets. Pour montrer ce qu'il ferait dans le Nouveau Testament. To show what he would do in the New comment Testament. Comment il viendrait lui-même dans un corps de chair. How he would come in the body of flesh. Amen. Amen. Il devait venir dans un corps de chair. He should come in the body of flesh. Appelé fils de Dieu. Called son of God. Non. Oui. Yes. Pour sauver les fils et filles de Dieu. To save sons and daughters of God. Allons-y rapidement maintenant. Let's go fast now. Prenons quelques promesses dans l'Ancien Testament. Let's take some promises in the Old Testament. Psaume chapitre 2 verset 7. Psalms chapter 2 verse 7. Là nous lisons ceci. There we are reading this. Je publierai les décrets. I will declare the L'Éternel decree. M'a dit, the Lord has said to fils, me, you are my son. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Today I have begotten you. C'était une promesse. This was a promise. Nous prenons Ésaïe chapitre 7. Let's take Isaiah 7. Verset 14. Verse 14. C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La Vierge concevra, deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Isaiah 9, verset 5, verse 5. Un enfant nous est né. For un fils nous est donné. Verse 6. For unto us a child is born, unto us
a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Le Conseiller, Counselor, Dieu Puissant, Mighty God, Père Éternel, Everlasting Father, Prince de la Paix, Prince of Peace. Vous pouvez aller même en Isaïe chapitre 35. You can even go in Isaiah 35. À partir du verset 3. From verse 3. Jusqu'au verset 6. To verse 6. Là où nous dit ceci rapidement. There they said this quickly. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Oh, may God help us. On nous dit ceci. They say this. Fortifiez les mains languissantes. Isaiah 35 verse 3. Strengthen the weak hands. Les genoux qui chancèlent. And make firm the feeble knees. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Say to those who are fearful hearted. Prenez courage. Be strong. Ne craignez point. Do not fear. Voici votre Dieu. Behold your God. La vengeance viendra. Who come with vengeance. La rétribution de Dieu. With the recompense of God. Il viendra lui-même. He will come. Elle vous sauvera. And save you. Alors s'ouvriront le then, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. The eyes of the blind shall be opened. S'ouvriront les oreilles des sourds. And the ears of the deaf shall be unstopped. Et alors le boiteux sautera comme un cerf. Then the lame shall leap like a deer. Et la langue du muet éclatera de joie. And the tongue of the dumb sing. Et des promesses. These were promises. Et ces promesses, and these promises, quand notre Dieu fait des promesses, when our God promises, il réalise, he fulfills it. Quand le temps était venu, when the time came, pour que ces promesses que nous venons de lire, for these promises we've just read, puissent s'accomplir, may be fulfilled, en envoyant l'ange Gabriel, God sent the angel Gabriel, à une vierge Marie, to a virgin called Mary, à une vierge fiancée à un homme. That virgin was betrothed to a man. Et quand il vient Joseph, Amina, Marie, when he came to Mary, il salua Marie, he greeted Mary, that you have found favor in the sight of God. Voici, tu deviendras enceinte. See, you'll be pregnant, et tu mettras au monde, and you deliver un fils, a son, et tu l'appelleras le nom de Jésus, and you shall call his name Jesus. Marie était vierge. Mary was virgin. Elle ne connaissait pas d'homme. She did not know any man. Elle demanda. So she asked. How will this happen? Moi, je ne connais pas d'homme. Because I don't know any man. L'ange lui dit. Now the angel said to him, to her. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit viendra sur toi. Shall cover you. Et la puissance du Très-Haut. And it shall come on you. Te couvrira de son ombre. And the might of the Most High shall cover Amen. You in his shadow. Amen. Marie avait cru. Mary believed. Elle avait mis au monde Jésus-Christ. And she delivered Jesus Christ. Et la parole fut faite chair. And the word was made flesh. Amen. Amen. Dieu. God. Voulait avoir une famille. Wanting to have a family. Des fils et des filles. Sons and daughters. Pour qu'il puisse avoir une grande famille de fils et de filles. For him to have a big family of sons and daughters. Il devait premièrement. He should first. Lui-même. Himself. Devenir chair. Become flesh. Devenir un homme. Become a man. Pour qu'on puisse l'appeler so le fils de Dieu. He may be called the son of God. Si vous lisez 1 Jean. If you read 1 John. Nous avons lu au commencement était la parole. If you read John chapter 1, where we read it, the beginning was the Word was with God, the Word was God. Le monde était créé par lui. The world was created by him. Mais là, il est venu dans le monde. Now he came in the world. Qui a créé le monde est venu dans le monde. The one who created the world came in it. Mais le monde ne l'a pas reconnu. But the world did not recognize him. Amen. Amen. Disons ça rapidement. Let's read it quickly. Il est venu dans le monde ne l'a pas reconnu. He came in the world and the world did not receive him. Verset 14. Verse 14. Et la parole était faite chair. And the word became flesh. Elle habitait parmi nous. And dwelt among us. John chapter 1 verse 14. Pleine de grâce et de vérité. And et with nous avons contemplé sa gloire. The glory of the only une begotten gloire son, comme la gloire du Fils unique. Full of grace and truth. Venu du Père.
Amen. 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 Now, le fils, the son, il devait mourir. He should die. Il devait payer le prix. He should pay the penalty. Il devait verser son sang. He should shed his blood. Pour que tout ce dont tu avais connu d'avance, so that all the people God foresaw for you, en croyant lui, by believing in him, il puisse être sauvé, may be saved. Il puisse devenir aussi fils et fille de Dieu. That they may also become sons and daughters of God. Jésus est venu dans le monde. Jesus came in the world. Le monde a été créé par lui. The world was created by him. Mais le monde ne l'a pas reconnu. But the world did not receive him. Mais pour tous ceux-là qui l'ont reconnu, but for all those who have received him, tous ceux-là qui l'ont reçu, all those who have received him, il leur donna le pouvoir. He gave them power de devenir enfants de Dieu. To become ceux qui child croient en son nom. Those who believe in his name. Amen. Amen. Ceux qui sont nés. Those who are born. Non pas du sang. Not of the blood. Ni de la volonté de l'homme. Neither of the will of a man. Mais de la volonté de Dieu. But of the will of God. Écoutez bien mes frères et sœurs. Listen, beloved brothers and sisters. Si Marie n'avait pas cru, if Mary did not believe, Jesus wouldn't be born. Marie avait reçu la parole de la promesse. Mary received the word of promise. L'Esprit de Dieu est venu sur elle. The Spirit of God came on her. D'abord, elle avait cru. First of all, she believed it. Et l'Esprit est venu sur and elle. And then the Spirit came on her. Et elle avait conçu. She conceived. Et elle avait mis au monde. And she delivered. Nous aussi. We also. Nous devons, quand nous écoutons la parole, we should, when we hear the word, en commençant par le crucifié, starting by the crucified, non. No. Quand nous écoutons la parole à propos du crucifié, and when we hear the word concerning the crucified, c'est Jésus Christ. It's Jesus Christ. La mort sur crucified. La croix. He died on the cross. Ce qu'il a fait sur la croix. What he did on the en cross. En commençant par cette œuvre-là. Starting by that work. Et toute la parole de Dieu que nous écoutons. And all the word of God we are listening to. En tant qu'une semence divine. As a divine seed. La parole de Dieu c'est une semence. The word of God is a seed. Quand nous parle du crucifié. They may speak to us about the crucified. Quand nous parle de tout ce que nous lisons, quand nous parle de toute la parole de Dieu. They may speak to us whatever we are reading of the word of God. It's the seed. Et cette semence. And this seed. Doit être planté dans notre cœur. Should be planted in our heart. Nous devons croire. We need to believe. De tout cœur. With all our heart. Et l'Esprit de Dieu doit venir sur nous. And the Spirit of God should come upon us. Pour que Dieu puisse créer en nous. So that God can create in us. Pour que Dieu puisse nous engendrer. So that God can beget us. Une nouvelle vie doit surgir en nous. A new life should appear in us. Pas une fabrication. Not a fabrication. Pas un faux semblant. Not a quand vous croyez de tout cœur. When you believe quand with vous recevez your heart, la parole de Dieu. When you receive the word of God. L'Esprit de Dieu vient sur vous. The Spirit of God comes on you. Dieu lui-même. God himself. Crée en vous. Creates in you. Une nouvelle vie. A new life. Frère, ça c'est la réalité. Brothers, this is the reality. Beaucoup vont à l'église. Many go to church. Mais ils restent le même. But they remain the same. Mais il y a ceux-là qui ont cru. But those who have believed. Ils ont vu qu'il y a une nouvelle vie. God has created in them a new une life. Une nouvelle vie a commencé. A new life has begun. C'est la vie éternelle. It's the eternal life. Ils sont nés de nouveau. They are born again. Ils sont nés de la parole. They are born of the word. Et de l'Esprit de and Dieu. And of the Spirit of God. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est donnée. When the word of God is given. Il la croit de tout cœur. Believe it with all your heart. Même s'ils ne comprennent pas. If you don't understand it, they believe si it in their heart. C'est la parole de as Dieu, long as it's the word of God, ils disent amen. They say amen. Ils disent amen. They say amen. Parce qu'ils sont nés de la parole. Because they are born of the word. Et ils sont nés de l'Esprit de Dieu. And they are born of the Spirit of God. Amen. Amen. Maintenant, écoutez le sommet. Here's the summary now. De ce que nous venons de lire. Of what we have just read. Allons-y dans le livre des Galates. Let's go in the book of Galatians. À partir du verset 4. From verse 4. Nous lisons ceci. We are reading this. À partir du verset 4. Verse 4. Chapitre 4, pardon. Galatians 4. Galates chapitre 4. Galatians 4. À partir du verset 4. Verse 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, but when the fullness of the time had come, Dieu a envoyé son fils. God sent forth his son. Né d'une femme. Born of a woman. Né sous la loi. Born under the law.
afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. To redeem those who were under the law. Afin que nous recevions l'adoption. That we might receive the adoption. Amen. As sons. Verset 6. Verse 6. Et parce que vous êtes fils. And because you are sons. Nous devenons fils de Dieu. We have become sons of God. Quand nous naissons de nouveau. When we are born again. Écoutez bien, frères et sœurs. Listen well, brothers and sisters. On ne devient pas fils de Dieu. We don't become a son of God. Abakuyake. We don't become a son of God. Correct. Quand on reçoit le baptême du Seigneur. When we receive the baptism of the Holy Spirit. Non. No. On est fils de Dieu. We are sons of God. Quand on est né de nouveau. When we are born again. Nous avons la vie de Dieu déjà. We have already the life of God in us. Ça, c'est capital. This is important. Maintenant, écoutez ce que Dieu fait. Now listen to what God does. Dieu veut envoyer l'esprit de son fils dans nos cœurs. God has sent forth the spirit of his son into your heart. D'abord, first, nous devons naître de nouveau. We need to be born again. Et après cela, and after that, Dieu, God, ça, il ne faut pas oublier. This you should not forget. Dieu, God, l'esprit de son fils, will send the spirit of his son dans nos cœurs, into our hearts. Amen. Amen. Dieu envoie dans nos cœurs. God sent forth l'esprit de son fils, the spirit of his son into l'esprit our de son fils. The spirit of his son. C'est l'esprit de Dieu. It's the spirit of God. C'est l'esprit de son fils. The spirit of his son. C'est l'esprit de Christ. It's the spirit of Christ. L'esprit de son fils. The spirit of his son. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Amen. Amen. Lequel crie. Crying Abba out. Père. Abba Father. Abba Père. Abba Father. Savez-vous que quand Jésus était dans le... Quand il était dans le champ de Gethsemane. Do you know that when Jesus was in the farm, si vous lisez Matthieu 14, if you read Matthew 14, verset 36, verse 36, quand il priait, when he was praying, il disait, he was saying, Abba, Père. Abba Father. Nous aussi, also we, quand nous sommes nés de nouveau, when we are born again, et que Dieu envoie l'esprit de son fils dans nos cœurs, and that God sent the spirit of his son in our hearts, nous also cry out, Abba, Père. Abba Father. Parce que dans le livre de Romains, because in the book of Romans, Romains 8, Romans 8, à partir du verset 26, from verse 26, lisons, écoutez ceci bien aimé. Let's read it. Listen to this. Que Dieu nous vienne en aide. May God help us. Que Dieu nous vienne en aide. May God help us. Romains 8, Romans 8, à partir du verset 26, verse 26. De même aussi, likewise, l'esprit nous aide. The spirit also helps. Dans notre faiblesse. In our weakness. Quand nous ne savons pas ce qu'il convient for de demander. For we do not know what we should pray for. Dans nos prières. As we ought. Vous savez ce qui arrive quand vous voulez prier. Do you know what happens when we are praying? C'est comme si vous êtes pressé, vous voulez terminer. It's as if you are in a hurry, you want to finish fast. Parfois. Sometimes. Hein, vous êtes vide, vous ne connaissez pas par où commencer. You are void, you don't know where to start from. Ne vous en faites pas. Don't worry. Restez là-bas. Stay, remain there. Même si vous commencez à tâtonner. Even if you are groping. Restez là-bas. Remain there. Un temps va venir. The time shall come. Où c'est l'esprit de Dieu. That it's the spirit of God. Qui commencera à prier à votre faveur. Which shall be praying in your favor. Vous allez, lisons. Let's read it. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. For we do not know what we should pray. Mais l'esprit lui-même. We should pray for us God, but the Spirit himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. The word we are listening to goes in the heart. Si nous la croyons, if we believe in it, quand le temps vient de prier, when the time comes of prayer, c'est l'esprit de Dieu qui prie. It's the Spirit of God which is praying for us. By uttering the groanings which cannot be uttered. Ce que vous mettez dans votre cœur, what you are putting in your heart. C'est que l'esprit les utilise pour the Spirit la prière devant is Dieu. Using them to take your prayers to God. Amen. Amen. Retournons dans le livre de Galates. Let's go back in the book of Galatians. Verset 5. Chapter 4, verse 5. Ou plutôt, verset 7. Or rather, verse 7. Ainsi tu n'es plus esclave. Therefore, you are no longer a slave. Mais fils, but a son. Et si tu es fils, and if a son, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Then an heir of God through Christ. Allons-y dans le livre des Hébreux. Let's go in the book of Hebrews. Hébreux chapitre 1. The plan of God, this is what I'm trying to show you now.
J'ai tout dit. Maintenant, il faut voir. Lisons cela maintenant. I have said everything. Now let's read. Hébreux 1. Hebrews chapter 1. Verset 5. Verse 5. Car. For. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? To which of the angels did he ever say? Tu es mon fils. You are my son. Je t'ai engendré aujourd'hui. Today I have begotten you. Et encore. And again. Je serai pour lui un père. I will be to him a father. Il sera pour moi un fils. And he shall be to me a son. Et de nouveau. But when? Lorsqu'il introduit dans le monde le premier né. He again bring the firstborn into the world. Jésus. Jesus. Jésus c'est notre premier né. Jesus is our firstborn. Il dit. He says. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Let all the angels of God worship him. De plus, and il dit des anges, of the angels, he says, il fait de ses anges des esprits, who makes his angels spirits, et de ses serviteurs une flamme de feu, and his ministers flame of fire. Mais il a dit au fils, but to the son he says, ton trône, oh Dieu, est éternel. Your throne, oh God, is forever and ton ever. Règne. A scepter, of your righteousness tu is the scepter of the kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God has anointed you. How many gods do we have? Only one. Amen. Amen. C'est pourquoi. Wherefore? Oh Dieu, ton Dieu d'avoir. Therefore, God, your God has anointed you. With the oil of gladness more than your companions. Amen. 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 Verset 10. Verset 10. Et encore. And. Toi, Seigneur. You, Lord. Tu as au commencement fondé la terre. In the beginning laid the foundation of the earth. Et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. And the heavens are the work of your hands. Quand nous lisons la Bible. When you are reading the Bible. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. On dit que Dieu est créateur. They say God is a creator. Mais dans le Nouveau Testament. But in the New Testament. On nous dit que Jésus. They say Jesus. Toutes choses ont été créées. Everything. Par Jésus. Were created by Jesus. Écoutez chapitre 2. Here now chapter 2. Verset 9. Hebrews chapter 2 verse 9. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. For the suffering of death, crowned with glory and honor. À cause de la mort qu'il a souffert. That he, by the grace of God, might taste death for everyone. Il a souffert la mort pour tous. He might taste death for everyone. Il convenait en effet. For it was fitting for him. Que celui pour qui. For whom. Et par qui. Are all things. Sont toutes choses. And by whom are all things. C'est que nous lisons dans le livre de Colossiens. This is what we read in Colossians chapter 1. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Everything were created by him and for him. Amen. Amen. Toutes choses lui appartiennent. Everything belonged to him. C'est lui le créateur. He is the creator. C'est lui Dieu. He is God. Jésus. Jesus. Maintenant écoutez. Now listen. J'ai dit que Dieu voulait avoir une famille de fils et de filles. I said God wanted to have a big family of sons and daughters. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. And as he wanted to lead to the glory many sons, dites amen. Say amen. Et élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. And in bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Hebrews 2 verse 11 now. For both he who sanctifies and those who are being sanctified c'est are all of one. Il n'a pas honte de les appeler frères. For which reason he is not ashamed to call quand them brethren. When he died, Marie voulait les toucher. I mean, when he resurrected, Jean, chapitre 20, Mary wanted to touch her. Verset 17. This is written il in John. And Jesus said, et do not touch me. Go tell my brothers. Amen. Amen. Que je monte à Dieu. That I'm going to God. Votre Dieu. Your God. Je monte. Disons ça. Let's just read it. Oh, mon Dieu. Okay. Jean chapitre 20.
John 20. Jean chapitre 20. John 20. Verset 17. Verse 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Jesus said to her, do not cling to me. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. For I have not yet ascended to my father. Mais va trouver mes frères. But go to et my brethren. Et dis-le. And say to them, que je monte. I am ascending to my father. Et votre père. And your father. Vers mon Dieu. And to my God. Et votre Dieu. And your God. Maintenant retournons en hébreu. Now let's go back to Hebrews. Verset 14. Hebrews chapter 2, verse 14. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, as much then, il a également participé lui-même. In as much then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, il that through death, puissant, celui qui avait la puissance et la mort, he might destroy him who had the power of death. C'est-à-dire le diable. That is the devil. Ici, il délivre and release tous ceux qui par crainte de la mort, those who through fear of death étaient toute leur vie retenus dans la servitude, were all their lifetime subject to bondage. Amen. Amen. Dieu est devenu homme. God became a man. Dieu est devenu l'un de nous. God became one of us. Amen. Amen. Pour qu'il puisse payer le prix. For him to pay the penalty. En tant qu'esprit, il pouvait pas mourir. As a spirit, he couldn't die. Il devait prendre un corps de chair. He was supposed to take il the body of flesh. Corps de chair. And he was supposed mais to be born in the body of flesh. But out of sin. Nous venons dans ce monde par le sexe. We come in the world through sex. Mais lui, il est venu. But he came. Par une vierge. Through a virgin. Amen. Amen. Il est venu par une naissance virginale. He came through a virginal birth. C'était pour nous. Pour nous sauver. So that he may save us. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu avait comme plan. Behold what God had as a plan. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alors retournons maintenant dans le livre de Romains. Now let's go back in the book of Romans. Romains chapitre chapitre 11. Romans 11. Nous lisons à partir du verset 7. Let's read from verse 7. Quoi donc? What then? Ce qu'Israël cherche, Israel has not obtained what il it seeks. Il l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. But the elect have obtained it. Tandis que les autres, and the rest, ont été endurcis. Were blinded. Israël cherchait la justice. Israel was looking for righteousness. Mais il n'a pas atteint la justice de Dieu. But he did not receive it. Mais les élus ont obtenu. But the elect have received it. Même aujourd'hui, even today, beaucoup vont à l'église. Many go to churches. Dieu avait dit dans le livre d'Amos. God said in the book of Amos, chapitre 8, verset 11, chapter 8, verse 11, il enverrait la faim. That he would send famine. Pas la faim du pain. Not the famine of bread. Dieu avait promis qu'il enverrait la soif. God, he promised to send the thirst. Pas la soif de l'eau. Not the thirst of water. Mais la faim. But the famine. Et la soif. D'écouter la parole de Dieu. The hunger and thirst to hear ils the word of God. D'une place à l'autre. They'll be going from a place to place. Pour chercher la parole. To look for the word. Ils ne vont pas la. They won't find it. Mais les élus ont trouvé ça. But the elect have found it. Nous avons trouvé la parole. We have found the word. The rest. Ont été endurcis. Have been blinded. Brothers, sisters, ce matin, this morning, quand j'écoute sa parole, when you hear his word, n'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Amen. Amen. Romains chapitre 11. Romans 11. Verset 20. Verse 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause de l'incrédulité. Well said, because of unbelief. Par la foi. They were broken off, and you stand by faith. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Do not be haughty. Mais crains. But fear. À ce temps-là. In that time. Dieu avait coupé Israël. God cut off Israel. Pour graffer les gens des nations. To engraft us, the people of nations. Amen. Israël était dans l'incrédulité. Israel was in unbelief. C'est pourquoi Dieu l'avait retranché. Wherefore God cut him off. Amen. Amen. S'il y a une chose la plus la plus grave, if there is a more serious thing, c'est l'incrédulité.
to God, it's unbelief. Nous devons croire. We need to believe. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. I'm sorry, I will tell you something. Ils sont tous ensemble. Let's say all together. Je crois. I believe. Je crois. I believe. Nous croyons quoi? What do we believe in now? Nous croyons la parole. We believe in the word. Ça, c'est comment puis-je dire? Quelque part, on dit bon, si toi tu veux, ah, pour nous. This is not optional. But this is compulsory. They ask all of us to believe. Et Dieu bénisse mon père. May God bless you, my brother. Pour nous dans cette salle. For us in this hall. Dans cette église. In this church. Dieu nous a appelés à croire. God has called us to believe. Nous ne sommes pas des spectateurs. We are not spectators. Non. No. Soyons croyants. Let's be believers. Celui qui ne croit pas. He who does not believe. Il fait Dieu menteur. Makes God to be a liar. Qui es-tu? Who are you? Pour faire de Dieu menteur. To make God a liar. Qui suis-je? Who am I? Pour faire de Dieu menteur. To make God a liar. La Bible dit en Romains 3:4. The Bible says in Romans 3:4. That let God be known to be et true. Que tout le monde soit reconnu pour menteur. And every man a liar. Nous croyons. We believe. Nous croyons la parole. We believe the word. De tout cœur. From the bottom of our heart. Alleluia. Say hallelujah. Nous croyons de tout cœur. We believe with all our heart. Parce que Dieu a parlé. Because God has spoken. Si vous lisez en Jean chapitre 5. If you read in 1 John chapter 5. Verset 10. Verse 10. Celui qui croit en Jésus Christ. If you believe in Jesus Christ. Il a le témoignage en lui-même. You have the testimony in himself. Oh bien-aimés frères et sœurs. Oh beloved brothers and sisters. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire. It's not somebody who will tell us. Que nous sommes enfants de Dieu. That we are the children of God. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Et notre esprit. It's telling que to nous our sommes enfants de Dieu. That we are the children of God. Mais celui qui rejette la parole. But he who rejects the word. Il fait de Dieu menteur. Must go to be a liar. C'est une insulte grave. It is a serious insult. Une insulte grave. It is a serious insult. Dieu veut que ses enfants puissent croire. God wants his children to believe. Nous devons nous efforcer à croire. We need to force ourselves to believe. Nous devons nous efforcer à accepter. We need to force ourselves to accept. Il y a trois choses à la foi. There are three things in faith we hear. On doit recevoir. We need to receive. On doit accepter. And accept. Trois choses. Three things. Il faut pas faire semblant d'écouter. Don't pretend to listen. Il faut recevoir. You need to receive what il you listen. Accepter. You also need to accept que it. Ça devient, que cela devient votre. Oh, that it might become yours. Let it be yours. Cela puisse être. Je ne sais pas comment dire en face. I don't know how to say it in que French. Cela soit, hein? Que ce soit une possession, que ce soit. Let that be yours. Amen. Amen. Allons-y dans Romains chapitre 12. Romans 12. Nous lisons à partir du verset 1 au verset 2. Verse 1 to 2. Je vous exhorte donc, frères. I beseech you therefore, brethren. Par les compassions de Dieu. By the mercies of God. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. That you present your bodies a living sacrifice. C'est agréable à Dieu. Holy, acceptable to God. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Which is your reasonable service. Ces paroles. These words. Sont adressées. Are addressed. Aux élus. To the elect. Ceux qui croient dans l'élection. Those who believe in the election. Ceux qui croient dans la prédestination. Those who believe in the predestination. Ceux qui croient qu'ils doivent se séparer. Those who believe they should separate themselves. De tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Of whatever is not the word Amen. Of God. Amen. Écoutez verset 2. Listen to verse 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. And do not be conformed to this world. To this present world. Non, on habite yes. The today world. Jésus pouvait dire. Jesus could say. Je les ai donné ta parole. I have given them your word. Et le monde les a haïs. And the world has hated them. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Because them are not of the Mais world. Moi-même, Jésus. But I, Jesus. Je ne suis pas du monde. I'm not of the world. Frère, que le Dieu du ciel nous accorde Brothers, sa grâce. May God of heaven grant us his grace. Jean 17. John 17. Verset 14. Verse 14.
Nous ne sommes pas du monde. We are not of the world. Jésus nous a tiré du monde. Jesus got us out of the nous world. Nous sommes pèlerins. We are pilgrims. Nous sommes voyageurs. We are travelers. C'est pourquoi on nous dit ici. Wherefore here they said to nous us. Nous ne devons pas ressembler au monde. We should not look like the world. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. May God bless our beloved brother. Hier ici quand il prêchait. When he was preaching here. It was on Friday when he was exhorting here. May God bless him in a special way. We are not of the world. Listen well. If the world goes to the left hand, we go to the right hand. You shouldn't dress up like the people of the world. Mostly you sisters. The devil is terrible. On a fait sortir de quoi le mode c'est quoi? They make another fashion. I don't know how you call that fashion. You see, the ladies are dressed up in a sexy way. In the way to exhibit their bodies. Showing their bodies. The shape of the bodies. They show the shape of their bodies. Porter des habits. Dress up. Qui vont cacher vos parties intimes. Je peux dire ça. Vous êtes une fille de Dieu. Dress up in a way to hide your body. Les garçons to cover aussi. Yourself well with modesty. Surtout dans les pays anglophones. Also in the English countries, c'est comme si les pantalons tombent. The men also are wearing, they are sagging. They are wearing trousers which are showing their inside. They are inside clothes. We shouldn't dress up like that. Now listen. Listen, brothers and sisters. Here they say verse 2. And do not be conformed to this world. But be transformed par le renouvellement de votre intelligence. By the renewing of your mind. Le changement. The change. Ne commence pas de l'extérieur. Does not begin outside. Mais l'intérieur. But it begins inside. Mais le changement. And the change. Commence de l'intérieur. Begins from inside to outside. C'est pourquoi. Wherefore. Nous devons être nés de nouveau. We need to be born again. Dans le plus profond. In the depth of our being. In the depth of our being. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Écoutez. Listen. L'homme a trois parties. A man has three il parts. A le corps. There is the body. Il a l'esprit. He has a spirit. Et il a l'âme. Also the soul. Le corps a cinq sens. The body has five senses. Le corps, l'esprit a cinq sens. The spirit has also five senses. Mais but l'âme the soul a seulement un seul sens. Has only one sense. Soit c'est la foi. Either faith ou c'est le doute. Or doubt. Il n'y a pas d'intermédiaire. There is no, mais vous avez la foi, mais vous avez le doute. You cannot have faith and have doubt. Mais n'a remarqué. Now notice. Au niveau de l'esprit. In the spirit. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit. Somebody can be baptized with the Holy Spirit. Il peut prêcher comme je prêche. He can preach the way I'm preaching here. Il peut chasser les démons. He can cast out demons. Il peut faire des miracles. He can work miracles. Mais c'est dans son âme. But if il in n'a his pas soul, été né de Dieu. He has not been born of God. Il n'a pas été né de nouveau. He has not been il born again. He will go in hell. La nouvelle naissance. The new birth doit intervenir dans l'âme. Should be in the soul. Le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Ghost. Le seulement. The sealing. Doit intervenir. Should be. À l'intérieur. Inside. De l'intérieur. Of inside. Amen. Amen. Lisons dans le livre des Ephésiens. Let's read in the book of Ephesians. Nous continuons. We are carrying Ephésiens on. Chapitre 4. Ephesians 4. Nous lisons par le verset 17. Verse 17. Voici donc ce que j'ai dit. Et ce que je déclare dans le Seigneur. This I say therefore and testify in the vous Lord. Ne devez plus marcher comme les païens. That you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Dites amen. Say amen. Dites amen. Say amen.
Quand vous dites amen, when you say amen, c'est comme si vous mangez quelque chose, it's as if you eat something, et vous avalez ça, and you swallow it. Quand vous avalez, when you swallow it, ça va dans votre estomac. It goes in your stomach. Mais la parole, but the word, quand nous l'avalons, when we swallow it, quand nous disons amen, when we say amen, elle va dans le cœur. It goes in the heart. Amen. Quand vous êtes seul, when you are alone, cette parole qui est entrée dans votre cœur, the word which went in your heart, amen, amen, commencera à travailler, will start working. Oh, que Dieu nous aide. Oh, may God help us. Nous ne devons pas ressembler au monde. We should not look like the world. Nous ne devons pas marcher comme les païens. We should not walk like the Gentiles. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Listen, beloved brothers and sisters. Qui pensent selon la vanité de leur pensée. In the futility of their mind. Ils ont l'intelligence obscurcie. Having their understanding darkened. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Being alienated from the life of God. À cause de l'ignorance qui est en eux. Because of the ignorance that is in them. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Because of the blindness of their heart. Il ne faut pas endurcir votre cœur. You should not blind or harden your heart. Vous ne devez pas avoir une résistance intérieure. You should not have an inner resistance. Children of God, when they preach the word, the word goes through in the heart. They don't have any excuse. You wait, you have excuses. The word has touched you. La parole t'a touché. The word has touched you. Mais tu résistes. But you are resisting. Ça, c'est terrible. That is terrible. C'est terrible. It's terrible. Ce matin, this morning, si Dieu t'a parlé, God has spoken to you, il ne faut pas endurcir ton cœur. You should not harden your heart. Repent-toi. Repent. Donne ta vie au Seigneur. Give your life to the Lord. Crois de tout cœur. Believe with all your heart. L'œuvre de Golgotha. The work of Golgotha. Et le Seigneur te sera favorable. And the Lord will be good for you. Amen. Amen. Nous continuons. Let's carry on. Verset 19. Verse 19. Et avec tout sentiment. Who being past feeling, ils se sont livrés au dérèglement. Have given themselves over to lewdness. Pour commettre toute espèce d'impurité. To work all uncleanness with joint à la cupidité. Verset 20. Verse 20. Mais vous. But you. Ce n'est pas ainsi que vous aviez appris Christ. Have not so learned Christ. Nous n'avions pas appris Christ. We have not so learned Christ. Après que tu pousses d'un Dieu à Christ, tu l'as Christ. We have not so learned Christ. Nous pouvons nous boudre dans le péché après que nous soyons après avoir cru. So that we can go trample again in sins after having believed. Apana. Écoutez ce qu'on nous dit verset 21. Listen what he said, verse 21. Si dis-moi, vous l'avez entendu. If indeed you have heard him, beaucoup entendent la voix du prêtre. Many people, they hear the voice of a preacher. Non. No. Il faut entendre la voix du Seigneur. You should hear the voice of the Lord. Il faut écouter la voix de Dieu qui nous parle au travers de sa parole. You should listen the voice of God speaking to us through his word. Speaking to us through his word. Amen. Amen. Verse 21. Verse 21. Si dis-moi, vous l'avez entendu. If indeed you have heard him. Si, conformément à la vérité qui est en Jésus. And have been taught by him as the truth c'est is in Jesus. C'est en lui que vous avez été instruit. À vous dépouiller. That you put off. Par rapport à votre vie passée. Concerning your former conduct. Du vieil homme. The old man. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Which grows corrupt according to the deceitful lusts. À être renouvelé. And be renewed. Dans l'esprit de votre intelligence. In the spirit of your mind. Nous devons être transformés. We need to be transformed. Nous devons être renouvelés. We need to be renewed. Dans le plus profond de notre être. In the depth of our being. Alors, then, les gens dans l'église, people in church, ils vont constater, they will notice it, and they will say something has happened to this brother. Quelque chose est arrivé à cette sœur. Something has happened to this sister. La façon de marcher change. Your way of working changes. La façon de vivre change. Your way of living changes.
Pas seulement dans l'église. Not only in church. Même là dehors. But also outside. Cet homme n'est pas l'homme que nous avions connu. This man is no longer the one we knew before. Cette femme, ce n'est pas la femme que nous avions connue. This woman is no longer the one we knew before. Something has changed in her cela life. Doit devenir évident. That should become evident. Amen. Amen. Notre prière ce matin, our prayer this morning is Dieu puisse nous transformer. That God may change us. Le même Dieu qui nous dit ces choses, the same God who is telling us these things, c'est lui qui veut venir à nous. He is the one who wants to come to us. Nous aider. And help us. Amen. Amen. Nous-mêmes, nous pouvons pas y parvenir. We cannot reach there by ourselves. Nous devons seulement croire. We just need to believe. Seigneur. Lord. Qu'est-ce que nous venons de lire? Let everything we've read. Que cela puisse se faire à moi. May happen or be materialized in us. Let this happen in us, in me. Et Dieu va le faire. And God will do it. Amen. 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 Écoutez bien, mes frères. Listen, beloved brothers. Oh mon Dieu. Oh my God. Il me reste 5 minutes, mais j'ai encore à parler. I only have 5 minutes now remaining, but I still have a lot to say. Regardez le temps, bien sûr. I have to respect the time. Prenons seulement. Let's take. Prenons seulement. Let's take. Là, je vais m'arrêter exactement comme on m'a donné. I'll stop at the time they told me to stop. Matthieu chapitre 13. Matthew 13. Verset 19. Verse 19. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. Marie avait reçu la parole de la promesse. Mary received the word of promise. L'Esprit de Dieu était à elle. The Spirit of God was on her, and she was pregnant, and delivered our Lord Jesus. Also we. Notre Seigneur avait donné une parabole. Our God gave a parable. Du semeur. Of the sower. Qui était sorti pour semer la semence. Who went out to sow seeds. Une partie de la semence était tombée au cours de la route. A part of seed fell by the road long, way long, and the other ones in stones, and the other one on stones, and the other one on the good ground. Laissez-moi vous dire, verset 19. Let me tell you verse 19. Et verset 23. And verse 23. Et verset 25. C'est là où je nous devons terminer, mais en verse 25. 4-5 minutes qui sont restées, nous ne pouvons pas. Bon, prenons seulement un seul exemple, ça va. Let's just take one example, because we don't have enough time. Lisons. We have to stop. Let's read. Matthieu 13. Matthew 13. Verset 19. Verse 19. Nous lisons ceci. We are reading this. Matthieu 13, 19. Matthew 13, verse 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, when anyone hears the word of the kingdom, et ne la comprend pas, and does not understand it, le malin vient, the wicked one comes, et enlève ce qui a été semé dans son cœur, and snatches away that was sown in his heart. Celui qui a reçu la semence le long du chemin. This is he who received seed by the wayside. Quand nous venons à l'église, when we come to church, on nous dit dans Ecclésiaste chapitre 4. They say in Ecclesiastes 4. Et quand nous venons à l'église, that when we come to church, nous devons être prêts pour écouter. We need to be ready. To listen. Be attentive to what the Spirit is speaking to the church. Many are absent-minded. We just see people moving around. They are just here, the body, but their spirit is somewhere else. But we need to be attentive.
We need to open our heart. Quand la parole de Dieu est prêchée, when the word of God is preached, elle tombe dans notre cœur. It falls in our heart. Comme une bonne star. Like a good seed. Dieu veut que nous comprenions sa parole. God wants us to understand his word. Dieu veut révéler sa parole en nous. God wants to reveal his word in us. Amen. Amen. Si nous la comprenons pas, if we don't understand it, le diable va l'enlever dans nos the devil will snatch it away from our heart. Dieu veut que nous comprenions sa parole. So we should, God wants us to understand his Dieu word. Veut que, Dieu veut révéler sa parole en nous. God wants to reveal his word to us. Dieu veut écrire sa parole sur les tablettes de nos cœurs. God wants to write his word on the tables of our heart. Pour que nous puissions devenir des épîtres vivants. So that we may become living epistles. Lui est connu de tout le monde. Read and known by everyone. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, l'état. Bow your heads, time is over. Inclinons nos têtes. Just bow our heads. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and sisters. Dieu nous parle par sa parole. God is speaking to us through his word. Ce matin. This morning, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, if you have not yet given your life to the Lord, le Seigneur t'appelle. The Lord is calling you. Aujourd'hui, today, sa parole, if you hear his word, do not harden your heart. C'est le jour du salut. It's the day of salvation. Dieu veut te sauver. God wants to save you. Alors que nous gardons nos têtes inclinées, as we have our head bowed, si y a un frère, if there is a brother, ou une sœur, our sister, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, who have not given their life to the Lord, venez ici devant. Come here to the front. On va prier pour vous. We'll pray for you. Et Dieu va vous recevoir. And God will receive you. Frère ou sœur, brother or sister, qui a écouté ce matin la parole vous a touché, that heard the word this morning and it has touched you, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, you have not yet given your life to the Lord, le Seigneur vous appelle. The Lord is calling you. Venez donner votre vie au Seigneur. Come give your life to the Lord. Alors que j'appelle notre frère pour continuer. As I'm calling our brother to come continue. My brother and sister, even outside, God is calling you. You should give your life in Christ. God is calling you. Come on me whatever you have loaded. Is ready to receive you. Lord is calling you. Don't see what is passed beside you. God is calling you. Oh my God, bless you, my sister. Don't surround what is passing. As the word is touching your heart, come to Lord. Let us be stand up. My God, bless you, my sister. Which else who can give his life to Christ? The door has been opened. Lord is calling you.
Come, my sister. Come to reply to what God is calling you. Come to Lord. Even if you're outside, come to Lord. Come inside. We are waiting for you. We have 13 sisters. My God, be blessed for this. It is a big, 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 big monster. Really, Lord is calling you. Lord is there. It's up with his really blood. He's waiting for you. He's waiting, my sister. Come to reply to the calling of God. Oh, somebody's coming. My God bless you. Can prepare a couple of songs. We can sing. We are waiting again. Come. Even you are inside, come to God. Lord is calling you. Really, some are coming. Lord is waiting for you. Lord can't talk in nothing. Don't be surprised. If God is touching your heart, come to God. God is calling you. Reply to his calling. It's for nothing. Come to God. It's no pay. We can't pay for that. Our Lord is coming soon. He will get just the one supposed to be, will be ready. This waiting, this invitation is according to you. Somebody is coming through. Come to God. Somebody is coming again. Oh my God, be blessed. Which else? Somebody else. We are waiting for you. We are waiting for you, my sister. We can sing together. After that, we can continue. My God bless you, my sister. The choir. Mm-hmm.
Nine brothers. It is a big monster. The Bible said there is a big joy in heaven if one soul supposed to believe in God. As we have enough of soul, if there is a 2-1. When we are praying, even if you did whatever problems, don't. There is somebody who can forgive you. He accept to get your place. He have get everything's for you, and then he goes with you at Calvary just for you. He said everything's, it was over there. Just be repent. Be regret your life passing without Lord. Whatever bad things you pass, bad things you did, bring that life to God. Just make repent, but not repent to God. I've did this, I've did that. My Lord, forgive me. He's ready to forgive you. He called you really. The word of God should touch your heart, and then be repenting that. And then will be justified. Just be regret your life and make a repentance. The old man supposed to move. As a human being, we have disease. Let us pray.
appelle au téléphone. Oui, monsieur, je vais contacter pour voir ce numéro de téléphone. Ah oui, d'accord. Viens voir, j'ai ça. The one who creates thank you Lord for everything you did to us Lord Jesus today the earth see the world have enough of programs. Lord Jesus, thank you for everything. Father, don't let us. Everything has been explained clear.
give us the strength. Thank you, Lord. If the people they're supposed to believe here, bring them really, Lord. Thank you, Lord. Give us the really weight. Give us the strength. Give everything. Bless the preacher, everything. Bless one brother and sister. Every preacher, our pastor. There is gloves front here. It means there was somebody sick somewhere. It can be recovery in the name of Jesus. Lord, your blessing, brother and sister, they will go back home. In the name of Bethlehem Jesus, it can be recovery. The children, they're supposed to worship you. Amen. Amen. The people are in front here. After church. You go front of the church. We have a baptizer person, a puller. In the name of Jesus, they can put you in water deeper. Jesus, in this name we'll baptize you. Go back at your place. After that, to come front of the church, they can baptize you. Our brother is really finished. God bless my brother. It's from Kafue in Zambia to pass Zambia. In 14 kilometers to Lusaka. He's supposed to go back.
dare to get your plan. Let us pray for our brother. Lord, assist him. Our pastor is in Kolwezi. According to what he said, the pictures, some of brothers that have gone there. We see the pictures. Sister Dorcas Bea, if she's here, she can go to see the tickets. If there is one brother or sister who she's traveling to South Africa, we need somebody who can give blood. Zero plus. Is that there? They can be church after church. Your believers could do something good. Do I need to participate?
It's better, the assurance, to buy the assurance because it's according to everyone. It's better to be in order with the government. As a son of God, we should be in order with the government. We should be in order. Be buried today. The peace.